La Bible dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. S'il vous plaît, pas contre le Simon de Bruno, pour ne pas faire trop de bruit dans le temple. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, il était venu sur la terre, il était venu mourir pour l'humanité. Puisqu'il était venu mourir pour l'humanité, la Bible dit dans Jean 3,16 qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque ça, la Bible pas parlé de les animaux, il n'a pas parlé de les anges. Les anges déchus qui étaient perdus d'unité, mais il a parlé là de l'homme en général. L'homme, il a parlé de les gars, les femmes, c'est de nous, les êtres humains, que la Bible mettait accent. Quiconque, vraiment, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que c'est nous-mêmes qui étions péchés contre mon Dieu. Après le péché, puisque bon Dieu lui-même est amour, c'est ça que la Bible explique, nous, Dieu est amour. Living by, pour peut-être parler pour l'humanité, living mourir pour l'humanité. C'est ça fait que à chaque fois, yon moun fait yon moun mal, c'est bon Dieu ou fait mal. Quitte moun n'a été converti, quitte le pas converti. À chaque fois, ou fait yon moun mal, ou fait moun méchanceté, c'est bon Dieu qui fait ça. À chaque fois que ou tout yon moun, c'est bon Dieu qui vous fait mal parce que être humain, ça c'est bon Dieu qui t'y crie. Bien que nous péchions contre lui-même, nous privés de gloire, mais la Bible dit bon Dieu, style, remet l'homme. L'homme, c'est une créature qui est si merveilleuse. Bien que l'homme a baigné dans le péché, bien que l'homme a noyé dans le péché, bon Dieu remet l'homme. Les raillis a péché, l'homme fait, mais péché a. L'irémen, si on a raison, la Bible dit, bon Dieu, pas de garder sous l'état nous. Il pas de garder sous péché nous pour le devine mourir pour nous. Bon Dieu, pas de garder sous l'état nous, l'homme pour le devine mourir pour nous. Et ça fait que jusqu'à maintenant, après la crucifixion de Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, après l'ascension, la montée au ciel de Jésus-Christ, l'estime remet l'homme parce qu'il est au prix qu'il est payé. Pour le capable de sauver l'homme, pour le capable de retirer l'homme dans le péché. Et ça fait que tout sacrifice que bon Dieu t'a toujours demandé dans l'Ancien Testament, sacrifice ça, c'est pour capable de couvrir le péché de l'homme. Mais sacrifice ça, pas capable d'effacer le péché de l'homme. Il y a un seul sacrifice qui t'a une capacité de pouvoir pour être capable de retirer l'homme dans le péché, qui capacité pour effacer le péché de l'homme. C'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, dans le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice de Dieu. Nous vivions pour la justice de Dieu. Tout le monde qui acceptait le sacrifice de Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maintenant la vie, après acceptation, à vivre pour la justice de Dieu. Parce que c'est seulement la mort de Jésus-Christ qui est capable de satisfaire la justice de Dieu. La mort de même l'homme pas capable de satisfaire la justice de Dieu, mais la mort de Jésus-Christ est satisfaire la justice de Dieu. Ça fait que nous supposons vivre une vie qui est juste en tant que juste. La Bible dit, même dans quelques versets dans Habacuc, dans Romains, et d'autres versets toujours, il dit, il parle de ça dans Galates aussi, dans Habacuc, dans Romains, et dans Galates, et plusieurs côtés, il dit, mais le juste vivra par sa foi ou par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire que nous, la Bible qualifie nous comme des justes après la mort de Jésus-Christ. Tout le monde qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la vie. Et il dit, lui par le meurtre issu duquel vous avez été guéri. C'est pas la mort de Jésus-Christ. Moi-même,
ou même nous t'es guéri. Ce n'est pas la mort de Jésus-Christ. Regardez ensemble avec moi rapidement dans Ésaïe 61. On va prendre la mort, on va prendre maladie que la Bible fait mention, parler de lui. Ésaïe 61, rapidement dans Ésaïe 61, et il dit, mais ça le dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé là, il dit, car l'Éternel m'a reçu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé avec Christ venu pour porter de bonnes nouvelles. Avec l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si on nous dit, ou un pasteur dit, ou un évangéliste dit, qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, vraiment, la bonne nouvelle, là, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Car l'Éternel m'a reçu pour porter de bonnes nouvelles, au qui ça, aux malheureux. Bonne nouvelle, là, n'est pas pour l'autre monde que aux malheureux. Malheureux, c'est le monde qui n'a pas gagné connaissance de la parole de Dieu. C'est le monde qui est perdu. Type de malheureux, ça. C'est le monde qui est perdu. C'est le monde qui pas connaît mon Dieu. Lorsque pas connaît mon Dieu, ou perdu. Alors que le monde qui pas connaît mon Dieu, il est égaré. Il fait toutes sortes de qualités de bagaille. Parce que il est sans connaissance. Mon Dieu, il peut être moyen à périr. Parce que il n'a pas gagné connaissance. Alors que Christ portait une bonne nouvelle aux malheureux, à moi-même, à vous-même. Okay. Lorsque nous finissons de recevoir bonne nouvelle, ça nous pas malheureux encore, mais nous, mais nous riches en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En bas, il dit, c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Okay. Quel type de maladie que l'a parlé là? En bas, non? Le cœur brisé. Le cœur brisé, pas aucun docteur sur la terre. En d'autres termes, docteur naturel, qui est capable de guérir cœur brisé. Cœur brisé, c'est une maladie pour docteur naturel, pour l'homme, c'est une maladie incurable. Il n'est pas capable de guérir. Mais le seul monde qui est capable de guérir le cœur brisé, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Après le péché, que Satan brisé que l'homme. C'est ça fait que lorsque l'on a vécu dans le péché, l'on a vécu dans le cœur. Le cœur brisé. Prends exemple à un monde qui est chrétien, un monde qui déjà expérimenté, qui était déjà dans le péché et puis qui vient accepter Jésus-Christ. Et puis il expérimenté en bas de la présence de Dieu, il expérimenté la gloire de Dieu. Et puis après ça, il est tombé dans le péché. Oui, monde ça, il a expliqué qui ça qui cœur brisé. Ok, monde qui est chrétien, lorsqu'il est tombé dans le péché, il fait péché, il a un cœur brisé. Cœur brisé ça, pas que l'autre monde qui est capable de guérir, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le type de maladie ça que la Bible a parlé. Aux gens qui ont le cœur brisé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et puis pour proclamer aux captifs qui ça la liberté. Ok, Christ vient aux gens pour proclamer aux captifs la liberté. Tout le monde après le péché, nous t'es au captif. Aux gens, nous t'es dans captif, nous t'es en bas griffe Satan. Christ vini pour faire que ça, pour ban nous liberté en tant que le grand libérateur. On va dire que Moïse c'est une figure de Christ. On va dire que Josué c'est une figure de Christ. Tous les vrais serviteurs de Dieu que bon Dieu t'a choisi dans l'Ancien Testament, c'est une figure de Christ comme libérateur. On va dire que vrai libérateur, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas seulement libéré ou physiquement, mais libéré spirituellement, avec libérer l'esprit. Bon Dieu te voit Moïse aller chercher le peuple d'Israël en esclavage en Égypte qui était passé 430 ans. Moïse sortit avec le peuple là en esclavage. Physiquement, on sortit avec le peuple là. Mais vraie libération, c'est bon Dieu qui fait. Moïse pas qu'à faire. Vraie libération, c'est la parole qui nous fait, c'est en esprit, matin. Hein? Et ou capable venir là, nous qu'à l'on place, ou capable venir, ou capable chita, ou venir adorer bon Dieu, ou venir manger ensemble avec nous. Mais gon libération, c'est libération d'esprit. Personne ne va faire, c'est bon Dieu seulement qu'à faire. Amen. Bon Dieu seulement qu'à faire. Parce que il y a un pile de monde qui a marché sur la terre. Moun sa yo, yo a fonctionné sur la terre, mais en esprit yo, en cap, yo en captivité.
On va dire dans la prison Satan. C'est le type de monde qui Christ a parlé. Depuis qu'on va vivre dans le péché, ou dans la captivité, ou dans la prison, n'importe monde qui est président, ou qui est premier ministre, ou en captivité, Christ dit pour proclamer en captivité qui ça, la liberté. En d'autres termes, pour capable briser chaîne péché qui barrent, pour capable briser chaîne maladie, pour capable briser chaîne l'amour, pour capable briser toutes sortes de qualités de chaîne. Et puis il dit, et aux prisonniers qui ça, la délivrance. Pour publier une année qui ça, de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Tous les affligés. Pour consoler qui ça? Tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Maintenant, pour leur donner qui ça? Un diadème au lieu de la cendre. Et aux affligés de Sion qui ça? Moi-même, ensemble avec vous. Nous sommes sur route pour Sion, entre autres, les gens qui sauvent, les gens que mon Dieu déjà prédestiné. Depuis avant la fondation du monde, du monde, Christ vini. Pour être capable de libérer affligé ça y est, nous affligés. Nous affligés en bas de Satan, nous affligés dans le péché, nous affligés dans la maladie. Christ vient pour délivrer affligé de Sion. Pas oublier, Sion, c'est une figure de ciel ou du ciel, Sion, pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens, mais pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, et Canaan, et c'est un style de vie, c'est une terre que bon Dieu te promet à Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est promesse ça que le peuple d'Israël, peuple terrestre, il y a gagné. Mais nous, l'Église, nous c'est Israël de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous disons promesse, nous disons promesse. Non pas une promesse terrestre, nous disons promesse, nous disons promesse. Regardez-moi avec moi. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Lydie, on commence dans le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous-mêmes qui t'es mourus par offense, par péché qui nous t'es fait, par l'incirconcision de votre chair, ça passé, Christ nous a rendu à la vie avec lui. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la vie, libère la vie que vous gagnez. La vie quelqu'un a, la vie j'aurai, la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle, la vie ça Christ ben nous, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mais c'est tout le monde qui accepte qui ça, la mort de Jésus-Christ. Tout le monde qui accepte la crucifixion de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, Christ ben nous ça yo, la vie en faisant qui ça. Grâce pour toutes nos offenses, pour tout péché, il fait nous grâce, il pardonne nous. Ça fait que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 6-8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Okay? La mort de Jésus-Christ, ce n'est pas payer, nous payer, qui fait le mourir pour nous. Ce n'est pas payer, Christ qui fait le devenir mourir pour nous. Mais c'est lui-même qui décide, il ne va peut-être pas pour nous. Hein? Il décide, il ne va peut-être pas pour nous. Il mourit pour pécher nous. On a tout le monde qui accepte cette passage. Il fait nous grâce, il va nous la vie. Et puis, il ne pardonne pas de tout péché que nous te fait. Dans le verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit. En le clouant à la croix, il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnaient. Après le péché, nous condamnés. Nous, tous les êtres humains, ce sont des condamnés après le péché. Nous condamnés, ce sont des condamnés. Et nous pas de rien qui nous fait marcher, qui crée au moins, qui régle, qui réalise. Nous condamnés, nous aveugles. On va nous paralyser. On va nous, ce sont des.
et côté que diable lui-même lui qui est en captivité, on va lui dire il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et aussi après le péché, Satan vient ban nous yon l'autre acte de naissance. Acte de naissance ça nous gain yon l'autre non la donne. Nous pas vinn nous pas relé encore petit bon Dieu, nous vîmes image bon Dieu, nous vîmes créature bon Dieu, parce que Satan sale image que nous te gagnons. Qui image que nous te gagnons? Nous te gagnons image bon Dieu. Nous te semblons avec bon, nous te semblons avec bon Dieu, ça fait que vous parlez. Dans Genèse, chapitre 1, premier verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque bon Dieu crée l'homme, l'homme te sans péché. L'homme qui est semblé à mon Dieu. L'homme qui est semblé avec mon Dieu, t'es toujours passé visiter l'homme. Mais après le péché, l'homme pas semblé à mon Dieu encore. Non. L'homme pas semblé à mon Dieu. L'homme vient seulement une créature. Image que nous avons gagné, hein? Image de Jésus-Christ, image de mon Dieu, elle sorti. Satan sali, elle sorti. Même genre avec un pile monde. Que mon Dieu crée avec une beauté naturelle. Et puis beauté naturelle ça, Satan fait yon déguisé yon avec permanente, avec allonge, avec qui tête, gens qui ont dit là, avec fa, avec barana figure, yon maquillé, yon sale figure, on est là, ou pas qu'avoir une vraie image, moun non. C'est de la même façon tout, lorsque yon moun tombe dans le péché, c'est ça Satan fait pour vous, man les sales images, ou vin moun pas qu'avoir une vraie ou même. Amen. Moun pa ka wè vrè ou même, c'est ça mi se fè. Amen. Mais Christ ça, Christ fait lui-même. Et lui, paraît, il efface l'acte de les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Après ça, pas de monde qui a subsisté, pas de Dieu, pas de force ténèbres qui a subsisté contre nous et il l'a détruit en le clouant qui ça à la croix. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ paralysé, détruit toute puissance ténèbres. Satan va vous voir sur un corps pour le faire masturber tout, pour le faire gay, pour le faire lesbienne, pour le faire voler, pour le faire cupide, pour le faire rancunier. Man n'a pas de capacité ça sur un corps. Non, Christ paralysé, Christ détruit. Man, il l'a dépouillé. Man, il l'a dépouillé les dominations. Man, il a dépouillé les dominations et les autorités, les dominations, tout. Domination que Satan te gagne. On va dans toute area, dans tout côté, dans toute zone, dans toute partie. Dans la vie, Christ dépouille. Et les autorités. Satan gagne des démons qui travaillent ensemble avec elle. Même gens qui gagne des agents physiques. On va des agents physiques avec l'homme. On va qui travaillent avec lui. Il y a des démons aussi qui travaillent ensemble avec elle. Avec Satan, il y a plusieurs types de monde, groupes de monde qui travaillent avec elle. Ce sont des autorités. On va dire ce sont des autorités. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux chrétiens, des faux frères, des faux évangélistes qui travaillent avec Satan. Avec Moun Sayo, Satan Bayo, Moun Sayo, autorité. La Bible dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Ça veut que dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde qui est en Jésus-Christ, qui a accepté la crucifixion des gens, qui a accepté pris ça que Christ payé à la croix. Qui a accepté, qui m'a écrit la vie, moun sa yo pas de condamnation plus encore. Nous libres, nous pas esclaves péché encore, nous pas esclaves l'homme encore, nous pas esclaves diable encore, nous pas esclaves monde encore, nous pas esclaves pornographie encore, nous pas esclaves lâcher encore, mais nous sommes esclaves pour Dieu, nous sommes esclaves qui libres. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez qui ça? Réellement libre et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Christ voulait pour que nous gagnions connaissance de la vérité. Lorsque nous avons connaissance de la vérité, nous connaissons qui est lié. Nous connaissons ça le fait déjà, ça le fait pour nous, qui ça le représente pour nous. Les
ça, nous servir, je veux que nous devons servir. Ou pas, on ne peut pas servir mon Dieu. Les gens doivent servir mon Dieu. Yo, soyons ignorés. Connaissance, non? Parce que la Bible parle de ça. Naomi, chapitre 1er, le verset 18 à 31. Et qui mon tout, qui pas accepté. Comment? Qui pas accepté. Qui mon qui connaît, qui ignore, et qui mon qui pas accepté. Et tout, qui ont l'autre type de monde aussi, qui pas de connaissance là du tout, du tout, du tout. Mais nous-mêmes qui avons connaissance là, ça t'empêche nous. Ça t'empêche, mais qui type de chrétien ça t'empêche? Ça t'empêche un chrétien qui a connaissance de la parole de Dieu. Et aussi un chrétien qui a la prière. Lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu, vous avez connaissance pour la prière. Lorsque la prière, vous avez puissance, mon Dieu. Bon Dieu a bon grâce, a bon onction. Et puis tout, ou ap gen principe, ou ap gen discipline, ou ap konn comment pour fonctionner dans le monde spirituel, ou ap konn comment pour fonctionner avec nous lorsqu'on gen connaissance de la parole de Dieu. Tout le monde ouais, des fois qui ont et qui échoué, on tout le monde ouais qui échoué dans la vie, c'est parce que yo ignoré là-bas la parole. OK? La parole lorsque vous recevez, ça le fait et l'instruire. La Bible dit la parole de Dieu là pour instruire, pour corriger, pour continuer qui côté dans la justice de Dieu. Pour fonctionner de la sagesse, forme qui connaissance de la parole de Dieu. Pour fonctionner de la justice, forme qui connaissance de la parole de Dieu. Pour fonctionner bien avec nous, forme qui connaissance de la parole de Dieu. Lorsque moi péché à pour connaître péché lié, forme qui connaissance de la parole de Dieu. Et les moelles pour me dire bon, je ne vais pas mettre la donne parce que mais ça qui est réservé pour nous qui tombent dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. En Jésus-Christ, la Bible dit lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que libéré du péché. Okay. Christ porte péché l'humanité. Si on ne parle dans le ciel, ce n'est pas Christ. Si on ne pas sauvé, ce n'est pas Christ. Parce que après le péché, il finit. Lui porte tout péché lui. Christ n'a pas dit. Nous qui famille nous sortir. Christ n'a pas dit combien nombre d'argent qui est dans le carton. Christ n'a pas dit qui couleur où il est. Christ n'a pas dit est-ce que c'est un jeu fouillé. Bon, d'ailleurs, la Bible dit dans Jean 1er, verset 11-12, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu qui est sous même, qui est incarné, a donné le pouvoir de devenir qui ça? Enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni des boucs, des animaux, mais de Dieu, n'importe mon nom, qui recevoir Jésus-Christ, qui acceptait Jésus-Christ, nous c'est petit bon, nous c'est petit bon Dieu. Nous c'est petit bon Dieu. Il fait, il paye déjà, il paye pour tout le monde. Pour même moi, ça va, qui accepte là, il paye déjà. Pour l'autre monde, qui a fait têtu, qui a fait rébellion, Christ paye déjà. Pour tout le monde qui est lesbienne, pour tout le monde qui est gay, pour tout le monde qui est maçonloge, pour tout le monde qui est sorcier, sorcière, Christ paye déjà. Pour tout individu qui a vécu sur la terre, Christ paye déjà. Pris ça, c'est pour nous, Christ paye. Il va payer pour Satan. Satan va pas repentir encore pour lui. Les anges déchus, pas qu'il repentir encore pour lui. Mais tous les êtres vivants qui vivent sur la terre, la Bible dit Christ, il bon temps pour nous faire qui ça? Pour nous repentir. Il bon temps, Christ baille, moi-même temps pour nous faire qui ça? Pour nous repentir. Si nous ne pas repentir, ce n'est pas Jésus-Christ. Non, ce n'est pas Jésus-Christ. Il bon temps pour nous repentir. Il bon temps pour nos gens. Pour nous changer, livrez pour nous changer. Livrez pour nous changer. C'est sa parole qui dit. Livrez pour nous changer. Livrez pour nous changer. Moi, si vous pas changé, ce n'est pas Jésus-Christ. Moi, si vous n'avez pas sorti dans l'état où il y a, ce n'est pas Jésus-Christ. Libérez-vous, libérez-vous. Moi, pendant le film, il y a pris, hein? Et puis il y a allé, et puis il quitte encore. Comme ça, pour continuer le même travail qu'elle t'a fait. Prêcher la parole. Prêcher la parole. Ça veut dire que l'apôtre Paul pas dit ça à Timothée. Non. 1 Timothée chapitre 4, dans l'ensemble avec moi. Dans 1 Timothée chapitre 4. Et mais ça dit dans 1 Timothée chapitre 4. Et il dit pour ça que prêche la parole. On nous garder. À nous considérer.
à nous considérer 2 Timothée. 2 Timothée, je crois. Dans 2 Timothée. Oui, dans 2 Timothée. Oui, dans 2 Timothée. Il dit, je t'en conjure dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1er 2. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche là-bas, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste qui ça en toute occasion. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends sans suite. Exhorte avec toute douceur et en instruisant avec Christ qui t'est encore pour continuer à prêcher là-bas la parole. Avec pour capable de gagner, pour prendre des âmes toujours. Mon Dieu qui vous sauve, c'est à travers moi-même. C'est à travers moi-même, mon Dieu qui vous sauve. Ça fait que, messieurs, vous savez que vous n'êtes pas capable de prêcher l'évangile. Si vous n'êtes pas prêcher l'évangile, la mort de Jésus-Christ, lui, semble en vain. Avec que vous voulez, que vous ne voulez pas, il faut l'évangile de Jésus-Christ prêt, prêcher. Christ n'est pas venu mourir en vain. Amen. Christ est venu mourir pour te sauver. L'humanité, formez un message ça. Continuez à prêcher par des hommes de Dieu. Que Dieu lui-même l'y relé, l'y qualifié, l'y mettait dans le temps. Même Jean enterré les Noé, même Jean enterré les Abraham, notre serviteur toujours. On prend que les prêts, les qualifiés, et puis pour prêcher l'évangile, de la même façon le faire dans le Nouveau Testament, les choisit des hommes. Les choisis des hommes, ça veut dire qu'un pire loi après qui va prêcher l'évangile là, sont ces mondes. Même que mon Dieu pas choisi, mon Dieu rejeté. Ils ont pas prêché vrai l'évangile là. Ils ont prêché l'évangile pour manger, pour l'argent, ou même pour quelque chose, pour les biens de ce monde, mais ils n'ont pas prêché l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'ont pas prêché. Pour nous terminer, nous terminer avec ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Mais ça le dit. Il dit en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tout le monde qui périt, message de la croix, message de Jésus-Christ, c'est une folie liée. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1er verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. On nous camper pour nous terminer. Nous attendons à soir à 7h p.m. pour nous capables faire cette scène, pour nous capables prendre ensemble le repas du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous magnifions, nous disons merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour grâce, pour accorder pour nous être capables ensemble. Pour nous trouver notre présence et dans les messages et assurer à chez Seigneur, nous faisons une bonne opportunité, nous continuer toujours à parler. Alléluia, nous disons merci, nous réclamons guérison pour chaque monde qui est là, pour chaque monde qui est en live, mon Dieu. Nous réclamons guérison pour vous, nous réclamons santé, monde qui est malade, chez Seigneur, et donc tu pas capable de faire rien pour vous. Nous réclamons guérison pour tout le monde. Nous réclamons santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons guéri, nous avons délivré. Nous prenons toute charge, cher Seigneur. Même Jean que, alléluia, vous sauvez nous, nous la vie. Alléluia, en bien matin. Nous prenons toute ta maladie, pour toute souffrance, pour toute tête chargée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Mettez l'église en santé. Continuez à bénir l'église. Continuez à faire grâce, cher Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour nous continuer à bénir, maïfier parmi nous, pour jusqu'à ce que vous retournez venir chercher nous dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour faveur, mon Dieu, grâce, mon Dieu, miséricorde, mon Dieu, compassion, mon Dieu, capable de reposer sur nous. C'est pour mon Dieu continuer à sanctifier nous, non seulement pour moi ça, mais pour jusqu'à ce que l'Irlande.